Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai toujours la voix enrouée. Aujourd'hui on va encadrer, et oui, vous voyez, je vous le fais avant la date prévue. Je voulais le faire le mois prochain, mais ça va, j'ai trouvé un cadre. On va encadrer donc le Diamond Painting de la fée. Voilà. Alors j'ai trouvé un cadre à Action, voilà, oups, comme ça. Donc c'est prévu pour un 30-40, donc on va voir ce que ça donne. Il va peut-être falloir que je fasse des petites modifications sur le cadre, mais ça, bon, c'est pas un problème. Donc je vais vous montrer comment je vais l'encadrer, malgré que je vous ai déjà fait des vidéos d'encadrement. Sinon, ben, c'est tout. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais utiliser du double face parce que, comme vous voyez, alors, je vais vous montrer peut-être dans ce sens-là. Vous voyez, il est un peu ondulé. Voilà. Et donc, pour qu'il se tienne bien, bien à plat, on va utiliser du double face aujourd'hui. Voilà. Donc, un cadre, le kit du double face, cutter. Puis je pense que ça devrait aller. On va voir comment ça va aller au niveau du cadre. La première chose d'abord, je vais d'abord démonter le cadre pour voir ce que ça donne avec la taille du kit. Donc là, je l'ai pris blanc, mais de toute façon, dans cette taille-là, je n'avais pas trop le choix. Il n'était qu'en blanc. Donc celui-là, je l'ai payé 4,95 €. Donc ça va. On va poser ça de derrière ici. La feuille. Le passe-partout qui va certainement me servir. Ça, alors je vais d'abord voir. Effectivement, vous voyez, normalement, je vais devoir retailler dans le passe-partout. Parce que là, bah, le kit rentre pile poil dans le cadre. Donc c'est pas réellement un 30-40. Enfin, la vitre ne fait pas 30-40. Ouais, donc là c'est 24. Ouais, 30-40, c'est la toile complète. Mais c'est pas un problème. Donc 24 sur 33,5. Donc on va mettre ça sur le côté. Je vais le mettre sur le lit. Et on va retailler dans le passe-partout. Alors, on va le faire sur l'envers. Donc, vous voyez, donc le passe-partout va pile poil. Donc, il me faut un crayon, une règle. Donc, je vais bien recalculer. Fin de compte, c'est pas plus mal. Donc 24. Je vais marquer sur un petit bout de page, je vais marquer là. 24 sur 33,9. Et là, le passe-partout fait 40,5, alors que c'est vendu pour un 40. Donc, si je veux mettre 24 ici, il
faut que je recalcule. Donc voilà, j'ai fait mes petits calculs hors caméra, c'était plus simple. Donc ici, en haut et en bas, il faut que j'enlève 2,45. Donc j'ai déjà fait mes traits. Voilà. Et ici et ici sur les côtés, il faut que je retire 1,85. Donc pareil, j'ai déjà fait mes traits. Voilà. Donc pour vous savoir comment il faut faire, vous prenez la mesure de l'intérieur ici, la mesure de votre image, et vous faites la soustraction de la mesure ici, par exemple de la largeur, avec la largeur de là, et le résultat, vous le divisez par 2. Et vous savez combien vous devez mettre à droite et à gauche. Voilà. J'espère que je suis claire. Donc maintenant, il faut que je coupe. Donc là, c'est vrai que c'est un encadrement un peu plus compliqué que d'habitude. Je vais essayer avec celui-là. Mon autre cutter est en bas. Bien faire attention d'aller bien droit, de bien finir et de bien commencer, de bien finir dans les angles. Voilà, et maintenant les petits côtés. Bien, le dernier. Voilà, donc ça, on ne jette pas, si on veut, ça peut servir. Donc voilà, j'ai c'est un peu griffé, mais c'est rien, c'est un petit point de colle qui s'est mis dessus. Donc, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Voyez. Donc voilà, je ne me suis pas trompée, c'est bon. Alors maintenant, ce que je peux faire, je vais regarder là. Je vais regarder une chose avant de coller pour ne pas faire de bêtises.
Ok. Alors là, je vais déjà alors mettre double face déjà là. Alors, là, pour l'instant, je vais mettre celui-là. Du coup, là, j'ai pas besoin de couper mon... Comment ? Mon tableau. La règle, j'en ai plus besoin. Et le dernier côté. Alors, c'est là où ça va se corser. On va d'abord enlever la première pellicule. On va enlever un petit peu sur les côtés. Voilà. Je vais venir dans ce sens-là, je verrai peut-être mieux. Et là, comme ça ondule, il faut bien le faire tout doucement pour enlever les ondulations. En même temps. Voilà. Et la dernière que j'aurais dû enlever avant. Voilà. Voilà.
là je vois que ça dépasse un petit peu, mais bon, c'est rien, c'est pas grave. Donc voilà, le passe-partout est mis. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre du double face sur celui-là pour plus que ça bouge. Alors là, une fois que c'est collé, celui-là, c'est mort. Hein, on peut plus tout, on peut plus l'enlever. Et par contre, avant de coller, vérifiez bien votre crochet. Hein. Parce que sinon, vous êtes dans le caca. Parce que vous ne pourrez plus décoller. Alors pareil, avant de coller, on va vérifier dans la vitre. Oui, non, ça va aller. Est-ce que j'en mets un autre? Je suis en train de réfléchir. Non, moi je pense que ça ira. Donc on va d'abord enlever celui-là. Alors je vérifie que mon crochet est bien en haut. Là, mon crochet est ici. Donc ma tête doit être là. Je vais mettre dans ce sens-là, ça ira mieux. Voilà. Et maintenant, je vais enlever par ici. Ça dépasse. Non, ça va. Voilà. Voilà. Non, je peux aller chercher ma vitre. Alors, toujours faire attention de la mettre dans le bon sens. Mais là, maintenant, on le voit avec la tête. Hein. Et je peux remettre les crochets.
câble. Voilà. Pas d'ondulation, rien. En plus, du coup, il y a une petite épaisseur pour les perles, qu'elles ne claquent pas dans le dans la vitre. C'est nickel. Alors, attendez, je vous relève pour que vous voyez mieux. Hop là. Et donc, voilà. Oh, on va essayer de ne pas le mettre. Voilà. Notre fée encadrée. Alors, j'essaye de pas... Voilà, là, c'est bien. En plus, ça fait très bien là avec le passe-partout noir et le cadre blanc, ça ressort super bien. Et est très 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 belle. J'adore. Hop là, pas faire tomber. Là, vous voyez pas en vrai, mais bon, puis là avec les reflets de la vitre, j'essaye de vous montrer. Voilà. Donc voilà, quand vous avez un kit qui est plus petit que le cadre et que vous avez un passe-partout avec, donc voilà ce qu'il faut faire. Et surtout, ben, vous mettez du double face, comme ça vous êtes sûr que ça ne bougera plus. J'essaie de vous montrer pour pas que ça brille. Voilà, elle est super belle dans ce cadre. Magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Et moi, je la trouve géniale. Donc, ça va. Je ne me suis pas trompée. La tête est là. Le crochet est là. Il n'y a plus qu'à la mettre au mur. Voilà. Donc, voilà. Vous avez eu la vidéo à l'avance sur l'encadrement de notre petite fée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je sais que vous avez été... nombreuses à aimer ce diamond painting. Donc je vous remets encore toutes les coordonnées de la boutique Mes Petits Diams en dessous avec le code promo pour acheter, pour faire une commande sur le site, et donc vous aurez droit à 10% sur votre commande. Je vous mets également le lien pour acheter ce kit si vous intéresse. Voilà, et n'ayez pas peur de contacter Coralie si vous avez des questions, elle est super sympa. Voilà, elle vous répondra tout de suite et il n'y a aucun problème. Et vous recevez vos kits sous 48 heures, hein. Bon, sauf si vous commandez un week-end, bien sûr, bon, il y a le week-end à laisser passer, mais sous 48 heures, vous recevez vos kits. Voilà, ben, je vous remercie tous, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Bisous, bisous.